your used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de William Chevillon. Le jeune homme est passionné d'art et d'histoire. Avec lui, nous allons aller à la découverte d'un patrimoine méconnu de la capitale vendéenne, les œuvres d'art dans l'espace public. Bonjour William. Bonjour Grégoire. Alors tu es médiateur culturel en Vendée, essentiellement ici à La Roche ou autour. Voilà. Tu as travaillé, c'est un travail personnel d'ailleurs, sur le recensement des œuvres d'art dans la capitale vendéenne. Ça t'est venu comment? C'est un intérêt, un goût pour l'art et l'histoire, j'imagine. Alors, déjà. C'est un goût pour l'art et l'histoire depuis pas mal de temps déjà. Et puis c'est aussi le fait que j'étais élève au lycée Pierre Mendès France à l'époque, et que dans ce lycée, il y a deux œuvres assez exceptionnelles d'artistes internationaux. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi on a des œuvres comme ça et on ne les connaît pas? Et j'ai pris le fil de la pelote. Toute la pelote est arrivée. Ça donne un résultat avec un inventaire de 75 œuvres sur la ville de La Roche. Alors là, William, nous sommes en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon. Précisément, nous sommes dans le jardin de la préfecture qui fait face à la préfecture. C'est ça, oui. Un jardin aussi connu sous le nom de jardin François Mitterrand. Et nous sommes juste à côté d'une œuvre emblématique qui trône en plein centre de la place. C'est ça. Alors cette œuvre, c'est ce qu'on appelle une commande publique. C'est une réalisation qui a été permise grâce à un partenariat entre la ville de La Roche-sur-Yon à l'époque et l'État. Et donc on est sur une installation en 1985 d'une œuvre qui a pour but de rendre hommage aux résistants, aux déportés, donc en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une réalisation de l'artiste angevin Daniel Tremblay, qui était très connu à l'époque. Daniel Tremblay, qui est un artiste qui va beaucoup travailler sur les matériaux de manière assez brute, sur les textures. Et là, il représente un homme donc, qui tend la main vers le ciel. La main se perd dans le ciel. Donc la nuit, on a un éclairage en bleu qui fait que seulement la silhouette se distingue. Et c'est une sculpture assez exceptionnelle parce que malheureusement, Daniel Tremblay est mort en 1985, quelques semaines avant l'inauguration de cette sculpture. Il est mort assez jeune. C'est un artiste qui est assez exceptionnel, qui était assez connu à l'époque, à tel point que Jack Lang lui avait commandé une sculpture pour le Jardin des Plantes à Paris. Mais il n'a pas pu la réaliser puisqu'il est décédé. Et cette œuvre à La Roche-sur-Yon est sa seule sculpture publique. Alors, William, dans ce jardin, nous avons d'autres œuvres d'art, hein, si on regarde un petit peu à droite à voilà, gauche. Si on regarde un petit peu autour de nous, on a le buste de François Mitterrand, donc inauguré en 1996 par Daniel Mitterrand, justement. Et puis, il y a le monument du bicentenaire de La Roche-sur-Yon, qui a été installé donc, en 2004, en lien avec les 200 ans donc, de la ville. C'est un monument qui nous raconte un petit peu l'histoire de La Roche-sur-Yon, avec une superposition de plaques pour parler des 200 ans de la ville, des motifs en Grès qui nous raconte aussi que la ville est construite sur un rocher, etc. Donc là, je t'invite à aller directement au Cours Bayard. On va voir une œuvre un peu moins connue des Lyonnais. C'est juste à côté, hein. C'est ça, juste derrière. Donc là, on arrive complètement au bout du Cours Bayard, donc quasiment au niveau du haras. Et la sculpture qu'on a ici est une des premières à avoir été installée donc à La Roche-sur-Yon, après par exemple la statue de Napoléon. Là, on est sur une installation en 1936, mais c'est une statue qui est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle nous provient du palais du Trocadéro, le premier palais du Trocadéro, qui a été construit en 1878. À Paris, donc. On sait comment elle était arrivée voilà. Là. Et quand on a construit donc, le nouveau palais du Trocadéro dans les années 30, il a été question de disperser l'ensemble du patrimoine artistique qui était présent sur place. Et les villes, les municipalités pouvaient faire appel, pouvaient demander à ce qu'une sculpture ou plusieurs leur soient envoyées.
Et donc là, on a une sculpture qui s'appelle l'Uranie ou l'Astronomie, c'est la même personne, qui a été réalisée par un sculpteur qui s'appelle Adolphe Itas. On ne connaît pas beaucoup, mais c'est un sculpteur français assez actif au 19e siècle. Et cette sculpture était sur la grande terrasse qui surplombait ce qu'il y a aujourd'hui avec la tour Eiffel en vision. Quoi. Elle est arrivée, William, donc en 1936 ici. Le cours Bayard, à l'époque, est un cours assez jeune. Je crois qu'il date des années 30. C'est une des premières belles promenades pour les Lyonnais. Alors, c'était déjà une promenade parce qu'il y avait en fait deux allées de tilleuls qui étaient assez anciennes. Et on sait depuis le 19e siècle que ce lieu était fréquenté. Mais c'est seulement en 1936 que la ville de La Roche investit pour aménager un parc, un jardin à la française avec différents niveaux de jardins, des bosquets et puis la grande fontaine qu'on a au milieu. Voilà, donc cette sculpture vient un peu couronner cet aménagement d'espace public ici, quoi. En 1936, à son arrivée, elle était dans un état de conservation autre que celui qu'on peut découvrir aujourd'hui ? Elle était dans un bien meilleur état de conservation, c'est-à-dire qu'on pouvait par exemple lire la signature. On sait que le bras était déjà cassé, mais c'est vrai que la statue, là, on voit que la pierre est quand même assez émoussée, assez usée. C'est lié au temps qui passe, tout simplement, mais également à des questions d'entretien qui se posent. On ne pense pas forcément à un traitement spécifique quand on nettoie une statue. Et c'est vrai que les passages de jet d'eau, etc. Ça n'aide pas forcément, mais maintenant il y a quand même une conscience, on va dire, de ces œuvres-là pour l'entretien qui est nettement meilleur. Porterait-elle le monde dans sa main gauche ou... Elle porte tout à fait un globe et malheureusement les instruments de astronomiques ont disparu. Je propose d'aller directement en face de la médiathèque, il y a quand même pas mal d'autres œuvres à voir de ce côté-là, un autre coin de la ville assez artistique. À 2 minutes à pied. À 2 minutes à pied, c'est ça, on peut tout faire à pied. Donc là, on arrive devant une sculpture qui s'appelle O Grupo, c'est un nom portugais, brésilien, de Victor Brecheret, qui est un artiste justement brésilien et italien dans une partie de ses origines. Et c'est une sculpture qui a été mise en dépôt par l'État à La Roche-sur-Yon après la Seconde Guerre mondiale en compensation des œuvres fondues par les Allemands. Voilà, c'est comme la sculpture qui est derrière le musée. On est vraiment sur des installations d'œuvres d'art, donc en lien justement avec la Seconde Guerre mondiale. C'est un bélier, l'animal ? Alors, on pense que c'est un bélier. En réalité, c'est un cheval. C'est une Amazone et son cheval. C'est une œuvre qui a été repérée en France dans les années 30, achetée par le musée du Jeu de Paume à Paris, et donc envoyée à La Roche après la guerre. Donc c'est vraiment un cheval, avec des formes assez particulières, puisqu'on est dans un courant d'art moderne, un peu comme les frères Martel, hein, les deux Vendéens très célèbres. Un courant d'art moderne dans la mesure où on va englober les formes complexes sous une forme de simplification générale. Et ici, dans le cas de Victor Brecheret, on est sur un mélange entre l'art moderne européen, donc ces formes assez généralisées, et l'art populaire brésilien. Voilà, donc on est vraiment sur une Amazone à côté de son cheval. Et non un bélier, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est vrai que c'est la tête qui nous rappelle le bélier. Il y a la tête, il y a également les proportions du corps qui sont assez surprenantes. Mais c'est une forme de synthétisation globale des formes qui est voulue par l'artiste et non une exhaustivité visuelle directe, quoi. Voilà. Alors, dis-moi, un peu plus loin, là, William, ouais. J'observe quelque chose qui pourrait ressembler à un épi. C'est un épi de blé, enfin plus précisément un épi de paysan, qui a été réalisé par le sculpteur vendéen Dominique Cousseau. Donc c'est un hommage un petit peu à tous les paysans du monde. Voilà, Dominique Cousseau, c'est un sculpteur qui a beaucoup travaillé les matériaux comme le bois, qui va vraiment vouloir donner rendre toute la texture du matériau à lui seul. Et donc là, il a voulu rendre hommage aux paysans du monde, à la diversité des paysans du monde. C'est-à-dire que chaque grain de blé correspond à un paysan différent dans le monde. Alors William, nous voici sur la fameuse place Napoléon de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'on peut considérer que la statue équestre de Napoléon et ce bestiaire animaliers autour de nous
sont considérées comme des œuvres d'art? L'art public, ça va un peu de ces vieilles statues en bronze au street art, hein, comme on peut en voir un peu partout dans la ville. Ici, on a une sculpture donc, qui a été réalisée par le comte de Nieuwerkerke, qui est un peu le ministre de la culture de Napoléon III. C'est ces grands personnages du 19e siècle qui étaient sculpteurs, hommes politiques, amateurs d'art, etc. Et puis, on a donc, sur cette place les animaux donc, de la compagnie La Machine, qui ont été créés dans un grand projet artistique donc, global pour l'inauguration de la place en 2013. Donc c'est vraiment un projet artistique, un projet théâtral, on peut le dire sur certains aspects. Et puis chaque animal individuellement est un petit bijou d'artisanat. Il y a vraiment tout un travail manuel derrière qui est assez extraordinaire. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre une création artistique et un travail artisanal. Donc c'est assez intéressant, je dirais. Alors William, dans ta besace, tu as un plan assez détaillé, oui. Des œuvres d'art dans l'espace urbain ici à La Roche-sur-Yon. On peut y voir celles que nous avons parcourues, mais il y en a tellement d'autres. Et hors du centre-ville, oui. Mais plus près de nous, on a peut-être celle qui est importante, celle qui est en face du théâtre. Oui, il y a la fontaine de la place du théâtre, qui est un monument assez curieux, parce que c'est une fontaine qui nous raconte un peu toute l'histoire de La Roche-sur-Yon. Mais de l'autre côté, c'est une fontaine qui n'est pas très aimée, puisqu'elle a coûté assez cher à son installation. Mais elle a été réalisée par un grand sculpteur, Bernard Pagès, donc un artiste du sud de la France, qu'on ne peut pas laisser pour compte à La Roche-sur-Yon. Et puis, les œuvres d'art, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je ne peux malheureusement pas parler, par exemple, du street art dans un plan guide comme celui-ci, puisque ce sont des œuvres d'art éphémères qui n'ont pas forcément vocation à perdurer. Mais il y a des beaux courants artistiques dans le domaine à La Roche-sur-Yon, Ars Muralis, Positive Aero, etc. Donc, c'est vraiment une chance pour toute ville d'avoir de l'art public institutionnel et ces formes artistiques qui s'expriment librement, vraiment partout. Ce document, ça peut être un bon motif de balade ici à La Roche-sur-Yon. On peut se le procurer comment ? Alors c'est un document qui est disponible un peu partout, hein. J'en ai mis à l'Artothèque, dans plusieurs lieux culturels de la ville, dans quelques commerces aussi, hein, une librairie par exemple. Donc, et puis dans toutes les maisons de quartier de la ville de La Roche-sur-Yon, puisque les œuvres d'art, il y en a vraiment dans tous les quartiers de la ville. Merci beaucoup alors William pour cette balade artistique. Et puis j'espère à bientôt, pourquoi pas pour un autre numéro, tellement de choses à découvrir en Vendée. Et puis quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.